l'image de cette exposition, communément dite Made in Rwanda Expo en anglais, change d'année en année. Durant les 4 dernières éditions, elle est passée d'une plateforme où l'on exposait des articles de moyenne fabrique, comme des objets d'art ou des vêtements, pour s'aventurer dans l'industrie automobile ou la téléphonie mobile. J'ai vu un téléphone de fabrication rwandaise, par exemple. C'est du nouveau, mais on pourra s'y habituer avec le temps. Une note de confiance de la part de la clientèle, mais côté industriel, on peine encore à gagner de la confiance chez les grands acheteurs, notamment des instances publiques, surtout à cause de la question de qualité ou de la confiance sur le produit localement manufacturé. Prenons l'exemple de la bijouterie locale. Nous avons de bons articles, mais certains préfèrent acheter de l'extérieur car on se dit que ce qui est rwandais n'est pas de qualité. Le gouvernement devrait organiser plus d'expositions pour aider les gens à mieux comprendre. Vous le savez vous-même que les Rwandais négligent encore nos produits. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose dans le sens de la mobilisation, car par exemple, les chaussures que je vends ici sont de bonne qualité comparées à celles qu'on emporte. Pour répondre à cette demande, une législation demandant aux plus hautes instances du pays d'aider à motiver l'industrie locale a été votée au Parlement selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans la législation, nous avons mis certains avantages pour les producteurs locaux pour que même s'ils ont un prix supérieur à 10 ou 15%, ils aient ce qu'on appelle une préférence nationale. Et ça leur permet d'accéder au marché public. Mais il y a quand même encore beaucoup de travail au niveau de l'information, mais aussi au niveau de la qualité et de l'expertise dont on a besoin dans certains secteurs. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes d'accompagnement et des mesures d'accompagnement. Le secteur industriel du Rwanda peine encore à trouver de la matière première pour ses produits car une grande quantité est toujours importée. Ceci constitue encore un défi énorme car le gouvernement vise à ce que ce secteur puisse contribuer au produit national brut du Rwanda, partant de 18,4% actuel pour atteindre 21% d'ici 2024.